L'amour est un mot à 5 lettres. A-M-O-U-R. Amour. Facile à écrire et très facile à prononcer sans comprendre sa signification exacte. C'est très facile de dire à ton prochain que tu l'aimes, mais très difficile de lui montrer et de lui faire vivre cet amour. Bien-aimé, tu ne fais que louer l'amour de tes parents tout en oubliant celui de Dieu. C'est peut-être parce que tu ne connais pas ce qui est à l'origine de cet amour-là. Peut-être parce qu'ils t'ont aimé après t'avoir vu. Ou encore ton papa t'a accepté comme enfant après avoir suivi les conseils de sa mère, ta grand-mère. Peut-être tu étais une grossesse indésirable au point d'être avortée par ta maman. Peut-être ta grossesse a été acceptée par ton papa après que celui-ci soit inquiété par le service des renseignements. Mais tu mets toujours en première position l'amour de tes parents en ignorant celui de Dieu, le Créateur. Lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Lui qui t'a aimé d'un amour vrai quand tu étais une masse informe et vide. Le vrai amour, c'est d'aimer sans avoir vu. Jésus-Christ est le spécialiste du principe qui dit « l'amour est aveugle ». Bien-aimé, tu loues combien tes frères t'aiment. C'est peut-être parce que vos parents sont encore vivants. Attends la disparition de tes parents. Tu verras comment tes frères chercheront à t'étrangler pour un seul but de bénéficier le bien qu'ont laissé vos parents. Le vrai amour, c'est de rester toujours unis ou ensemble, même quand rien ne marche ou quand vous vous sentez tous abandonnés. Tu vantes l'amour de tes oncles et tes tantes. C'est peut-être parce que tes parents sont encore vivants et ils rançonnent quelques miettes de pain auprès de tes parents. Essaie d'observer cet amour-là à l'absence de tes parents. Tu verras. L'amour vrai ne vise pas l'intérêt. Sache que Dieu t'aime largement sans distinction des familles, de race, de sexe, des rangs ou des conditions sociales. Et cet amour est sans limite. Il ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui, ni ne vise pas les intérêts de tes parents. Tu loues combien ton ami t'aime, mais c'est peut-être parce que tu ne connais pas combien il te critique négativement pendant ton absence. Vrai amour, c'est celui de Jésus qui ne te critiquera jamais négativement auprès de l'accusateur, le diable, mais qui te défend tout en intercédant en ta faveur auprès de son Père. Tu dis que ton fiancé t'aime plus que toutes les autres filles au monde parce qu'il a fait un seul choix. Mais c'est peut-être parce que tu ne sais pas qu'à ton absence, il fait recours à des roues de secours. Le vrai amour, c'est celui de Jésus qui t'aime avec grande fidélité et avec une grande patience jusqu'à ce que tu acceptes d'être tout à lui. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, car son amour ne varie pas selon ce que nous sommes. Il nous aimera toujours, demain comme aujourd'hui. Tu loues l'amour de tes frères en Christ. C'est peut-être parce que tu marches encore dans la vision de ton église locale et celui de ton pasteur. Ose commettre une erreur. C'est à ce moment-là que tu te rendras compte que rien que l'amour de Dieu est plus fort que tout autre. Et tu finiras par conclure que Dieu t'avait choisi pour que tu sois saint et sans reproche devant lui. Et son amour est vrai, car il t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il te conserve sa bonté. Et avec son amour éternel, il aura compassion de toi. Il t'aime depuis toujours, malgré la présence du péché. Il a tout préparé pour te combler de ses bienfaits. Bien-aimé, tu dis que ta femme t'aime d'un amour plus fort que tout. Essaie de manquer le boulot. Oublie de satisfaire ses besoins. C'est par là que tu découvriras si son amour était vrai. Car dans les couples, cet amour dépend de l'autre. Ou nous nous aimons dans la facilité, ou dans un esprit de justice, ou par intérêt. Mais Dieu t'aime souverainement, donc d'un amour immérité et par le moyen de la foi. C'est un amour gratuit et qui n'attend rien en retour. Le vrai amour, c'est d'aimer sans attendre que tu sois aussi aimé en retour. Ton encadreur t'aime encore et te fait confiance. C'est parce que tu ne l'as pas encore vexé ou offensé. Essaie de l'offenser. Tu découvriras s'il t'aime vraiment en t'accordant son pardon. Je t'informe ou je te rappelle que Dieu seul t'aime profondément. La profondeur de son amour se manifeste par le pardon.
Ce pardon est plus grand que le poids de tes péchés. Car la Bible dit, si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Et que les coupables reviennent à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Je t'assure que Dieu t'aime profondément plus que tout autre monde. Et cette profondeur de son amour va jusqu'au plus profond de ta misère. Donc, c'est un amour qui transforme. L'amour de Jésus ne condamne pas, il pardonne. L'amour de Jésus ne blesse pas, il guérit. L'amour de Jésus ne punit pas, il réconforte. Le vrai amour, c'est de dire la vérité à ton prochain en face, tout en prenant seul Dieu comme témoin, pourvu qu'il s'améliore au lieu de les laisser continuer à vivre dans cette ignorance, tout en allant les critiquer en dehors de votre relation. Le vrai amour, c'est de voir son ami heureux et faire en sorte que ce bonheur-là soit toujours permanent. Pas d'être jaloux en les voyant heureux. Le vrai amour, ce n'est pas le gros cœur que tu envoies à ton prochain, mais l'amour, c'est vie. Car pour l'amour du Christ, nous vivons. Par l'amour du Christ, nous respirons. L'amour, ce n'est ni des bisous que tu donnes ou que tu envoies à ton prochain, mais l'amour, c'est de donner sa vie. Car pour trahir Jésus, Judas lui a donné un baiser. L'amour ne signifie pas seulement dire à ton prochain que tu l'aimes, mais lorsque la situation devient difficile, tu le renies comme Pierre l'a fait à Jésus. Mais l'amour, c'est accepter d'aller jusqu'au bout sans savoir l'intensité des risques que produira cet amour. L'amour, c'est de donner à ton prochain ton attention, ta compréhension, ta propre vie, sans rien attendre en retour comme Jésus l'a fait. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu ne me salues pas, je ne te salue pas. Ça, ce sont les païens qui le font déjà. Or, c'est à travers l'amour que le monde connaîtra que tu es disciple de Dieu. Dieu t'aime plus qu'un père, et le père ne pense pas au péché, aux fautes du passé, au chagrin que tu lui as causé. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils vient de rentrer à la maison. » L'amour de Dieu est si long qu'il dépasse notre passé. L'amour de Dieu ne reste pas collé à notre passé. L'amour de Dieu n'est pas basé sur ton passé, sur ce que tu étais, sur ce que tu avais fait, mais il est basé sur ton présent, sur ce que tu es et sur ce que tu fais. Dire à ton prochain que tu l'aimes, c'est normal, mais cela ne suffit pas. Apprécie aussi ce qu'il fait, si cela est bon. Encourage-les à avancer, à aller plus loin. Et sois prêt à accepter de le voir briller au moment que chez toi, il n'y a aucun signal de gloire. Pas de les jalouser et jalouser ce que tu n'as pas chez lui. Bien-aimé, ce que tu n'as pas obtenu par la prière, tu peux l'obtenir en donnant ton amour. Essaye et tu verras. Car la haine que tu as envers ton prochain ne commence que par te ruiner toi-même avant qu'elle ne détruise ton prochain. L'amour est plus difficile que la prière. Car il est très facile pour un pasteur de prier en ta faveur, mais sans avoir aucun amour pour toi. Or, ce qui précède la prière, c'est l'amour et la compassion pour la personne pour qui l'on veut prier. La prière peut être abondante comme une pluie torrentielle, mais elle ne pourra rien produire si elle manque l'amour et la compassion. Si nous avons l'amour et la compassion pour la personne pour qui l'on veut prier, nous n'aurons pas à faire des grands moments de prière pour qu'elle reçoive la solution à son problème. Mais nous aurons simplement à lui dire, « Va, ta foi t'a sauvé comme Jésus-Christ l'avait fait. » Peut-être que tu étais en train de passer des moments de turbulence dans ta vie, mais sache que Dieu t'aime à fond par Jésus-Christ, car l'amour de Jésus te met en contact avec le ciel. Il t'assure que tu peux t'approcher de lui avec tous tes besoins. Peut-être que ce sont les tribulations, les moments difficiles de la vie qui dérangent ta foi. Retiens une chose, Dieu t'aime d'un amour puissant et rassure-toi qu'il t'aime plus que tes parents biologiques. Peut-être que tu n'as ni l'endroit où habiter et que personne ne te vienne en aide. Sache qu'à travers l'amour de Jésus, tu as une adresse éternelle au ciel. Car dit-il,
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je vais pour vous préparer une place. Peut-être que jusqu'à présent, tu continues à te culpabiliser de tes fautes, tes erreurs et tes faiblesses du passé. Arrête de te condamner continuellement. Je t'assure que tous ceux qui se trouvent au ciel sont des pécheurs dont le péché sont pardonnés. Les livres d'Apocalypse l'attestent en disant, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Crois seulement que Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Comme les brigands qui a simplement reconnu que Jésus-Christ ne méritait pas de mourir à la croix comme lui et lui demande de se souvenir de lui. Et sur place là, le Christ lui dit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Arrête de te condamner, arrête de te culpabiliser, parce que même le diable ne peut plus jamais te condamner à cause de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour toi. Donne seulement ta vie à Jésus. Accepte qu'il soit le seul Seigneur et le vrai Dieu dans ta vie. Car la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que le monde le veuille ou que le monde ne le veuille pas, Jésus-Christ est Seigneur et il l'est à jamais. Toi qui es dans la sorcellerie, la magie ou l'occultisme, sache que Dieu n'aime pas tout ce que tu fais, mais il t'aime toi tout en attendant que tu reviennes à lui. Car il a déjà donné son Fils unique Jésus-Christ afin d'être puni à ta place à cause de tout ce que tu as fait. Ouvre ton cœur, crois en lui. Le diable pour qui tu travailles ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais, car le mot amour n'existe pas en lui. Toi qui tues, qui voles et violes, qui égorge et pille en toute quiétude, sache que malgré tout ce que tu fais, par l'amour de Dieu, tu ne prendras pas la place de Satan, car lui il est destiné à vivre l'enfer. Mais toi, Dieu t'aime toujours et il veut à ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Même toi, chef, fais des reproches et des remarques à tes agents avec amour. Et c'est cet amour qui fera ce qu'ils se soumettent à tes ordres sans aucune contrainte. Le vrai amour doit être traduit en paroles et en actes. Tu as tout fait pour réussir ou changer le monde comme un vrai champion. Mais rien n'a pas pu marcher. Aujourd'hui, je te conseille d'essayer aussi l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain comme Jésus-Christ l'avait fait. Le mot amour a 5 lettres, tout comme le nom Jésus a aussi 5 lettres, donc amour égale Jésus. Celui qui aime a Jésus en lui, mais celui qui n'aime pas a autre chose que Jésus-Christ en lui. Cher prophète, ne me prophétisez pas combien j'aurai de voitures et de maisons sur cette terre des hommes dans les jours à venir. Ne me prophétisez pas combien je veux voyager le monde entier comme Magellan, mais prophétisez-moi combien l'amour de Dieu est plus grand à ma faveur, car toutes ces choses-là seront les conséquences de son amour pour moi. Nous n'adorons pas Jésus parce qu'il nous a donné simplement le souffle de vie. Sache que même la souris a aussi le souffle de vie comme nous. Mais nous adorons Jésus parce qu'il nous aime et il est l'amour. Nous ne louons pas parce qu'il nous a donné à manger. Sache que les oiseaux qui ne sèment pas ni ne moissonnent sont nourris à chaque saison. Mais nous, nous les louons parce qu'il nous aime abondamment. Il te sera très difficile de faire marche arrière en suivant Jésus-Christ parce que son amour puissant t'attirera toujours et te séduira à chaque seconde. Alléluia. Répète après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. C'est ton amour profond à mon égard qui m'attire l'amour de mes proches et qui m'enseigne aussi à les aimer. Car si toi tu ne m'avais pas aimé, mes proches ne le pouvaient pas aussi. Alléluia. Alléluia. Pour l'amour du Christ, partage ce message afin d'édifier une âme. C'est le pasteur Daniel Ebondo, le champion.